Aujourd'hui, une compagnie sera toujours tentée de contourner ces règles, bien évidemment. Mais mon rôle aujourd'hui, moi en tant que gardien du temple, c'est de m'assurer qu'il n'y a pas de concurrence déloyale entre les agents, qu'on respecte la convention de 96, que les accords contractuels entre une compagnie et son syndicat vertical en découlent pour l'écriture d'un traité de nomination, qu'on ne contourne pas dans le cadre de ce traité de nomination les accords de 96, que les accords de 96 soient conformes aux décrets d'application. Donc mon rôle aujourd'hui, effectivement, c'est de gardien du temple dans l'ensemble de la hiérarchie des normes qui est en place.